Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais attendre qu'il y ait un peu de gens pour commencer la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 20 de mes figurines Funko Pop exclusives, que mes figurines exclusives. Et alors, je vais commencer par celles que j'aime le moins et je vais terminer par celles que je préfère. Donc voilà. Coucou tout le monde, coucou David, coucou Brigitte, coucou Loulou Monster. Coucou Joséphine, coucou Ariane, Aksu, Miss Slime, Emily. Bah, je vais bien et vous aujourd'hui, comment vous allez? Vous êtes en vacances ou pas? Coucou Alexandra. Oh là là, il y a déjà beaucoup de gens, il y a déjà 40 personnes. C'est mercredi les vacances pour certains, ok. Coucou Slam Attitude. Coucou Linda. Coucou Merwan. Coucou Chamallow. Tabata. Justine. Une fille, un monde. Tu es en vacances ou le Monster? Bah, c'est cool. J'espère que vous profitez bien des vacances. Il fait beau en plus en ce moment. Bah, moi, ça va aujourd'hui. Ça va, ça va. Ça va même mieux qu'hier au niveau de mon allergie au pollen. Donc, je parle beaucoup mieux qu'hier. Vous allez voir. Bah, c'est cool que vous soyez en vacances, donc bah, profitez bien. Coucou Loane, coucou Eve, coucou Virginie, coucou Didine, t'étais là hier en plus. Donc aujourd'hui, une vidéo Funko Pop. Je vais vous présenter 20 figurines exclusives que j'ai. Et en fait, ça va être un top. Et en même temps, je voulais vous montrer, je vais les protéger, en fait, comme c'est des exclusives. J'ai commandé sur Amazon, donc si vous voulez, le nom du vendeur, c'est ATV. Voilà, à chaque fois, on me demande les noms des vendeurs. Et là, il y a même une réduction de 5%. Donc, je ne sais pas si ça marche si vous commandez sur Amazon ce code. Je ne suis pas sûr. Après, vous pouvez essayer. De toute façon, je ne vais pas l'utiliser, ce code. Donc, voilà. Et en fait, ils vendent aussi, je pense, des figurines Funko Pop. Donc là, c'est spécial pour protéger vos Funko Pop. Et il m'a même offert un petit badge Stranger Things, si vous connaissez la série. On voit pas très bien, en fait, dans la caméra. Coucou Alice Manga. Est-ce que j'ai Freddy Foxy en Lego? En McFarlane Toys? Ouais, je les ai. Donc j'ai ça aussi pour bien nettoyer les boîtes avant de les mettre sous plastique. Donc j'ai vu que beaucoup de gens le faisaient hein, pour protéger leurs figurines bah, les plus rares. Donc j'ai envie de faire pareil. Parce qu'avec le temps, ça s'abîme, les petites boîtes. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc il y en a 20. C'est pour ça que je vais vous présenter 20 figurines exclusives aujourd'hui. Bien entendu, j'en ai plus que 20 des figurines exclusives Funko Pop. Mais j'ai pris. Bah, les dernières que j'avais reçues en fait. Voilà. Alors, j'ai commencé par la 20e. Donc, en 20e position. Ah, un petit test. Vous allez me mettre en commentaire quelle figurine vous pensez qui sera en numéro 1. Donc, ma figurine préférée. Coucou Rita. Bah ouais, les vidéos Monstera, il n'y en a plus comme avant. Comme il n'y a plus de sorties comme avant. C'est vraiment dommage en fait. Alors, on me dit Freddy en numéro 1. Belle. Peter Pan me dit. Freddy, d'accord. Donc il y en a plein qui pensent à FNAF en première position. Il y aura du FNAF en tout cas, ça c'est sûr. Dans les 20, il y en aura même beaucoup, beaucoup. Bonjour Tamagotchi. Eh oui, il y a mon petit Tamagotchi. Alors, je sais pas si on va le voir en fait. Oui, on le voit un peu, ouais. En fait, mon premier Tamagotchi, il est mort. Enfin, celui d'avant, là, et c'est un nouveau. Mais ça vit pas très longtemps, hein, au final. Coucou Chugo. Coucou Mélissandre. Alors Elisa, tu me dis une Disney en numéro 1. Pac-Man, on me dit. Il y aura une rediff, hein, ne vous inquiétez pas. Et même le chat sera en rediffusion. Donc tout ce que vous marquez là, ça sera en rediffusion. Bon, allez, on va commencer par la 20e. Alors, pour la 20e position, c'est une Funko Pop. De, devinez, FNAF. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Donc, une exclue Walmart. C'est Wizard Bonnie. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, celui-là. Et je l'ai mis en 20e position parce que c'est vraiment pas ma préférée des FNAF, en fait. Voilà. Donc, mettez-moi à chaque fois ce que vous pensez de cette figurine si vous ne l'aimez pas. Donc, je l'adore. Hein. De toute façon, je les aime toutes, hein, mes figurines. Mais c'est vraiment faire un choix parmi bah, les 20. Alors, par contre, là, j'ai peur. J'ai jamais fait ça, c'est protéger
Donc on va essayer un. En plus, il y a un film protecteur à retirer. Ouais, il y en a qui disent bof, j'aime pas. Mettez une note sur 20, tiens, ce que vous pensez de cette figurine. Après, les gens qui n'aiment pas FNAF, je peux comprendre qu'ils n'aiment pas du tout les figurines. Enfin, c'est normal. Donc là, on va faire la bouette. Donc j'essaye de la faire, mais il faut pas que je l'abîme non plus, hein, la boîte, parce que je peux pas des rayures, tout ça. Alors, donc désolé, c'est hors champ, là. 0 sur 20, 1 sur 20, 15 sur 20. Je la mets de plus près, comme ça vous pouvez la juger. Je l'ai déjà ouverte, mais sur les ouvertures. Je ne vais pas réouvrir aujourd'hui, sinon ça mettrait trop de temps. 13 sur 20, 2 sur 20, 1 sur 20, 5 sur 20, 15 sur 20. C'est très varié les notes. Donc, moi personnellement, je mets une bonne note, hein, parce que je l'ai acheté, sinon je n'achèterais pas si je ne l'aimais pas. 12 sur 20. Coucou Cédric. J'aime bien les figurines FNAF, mais celle que. Si je la trouve. Ouais, c'est vrai qu'on voit moins comme c'est un animatronique qui est cassé, c'est pour ça. Bon, j'ai du mal à faire la boîte, hein, par contre. Hein. Wow. Bon, peut-être qu'en mettant directement dedans, ça sera mieux. Je pense. Parce que là, elle prend pas la forme. Alors, vous, est-ce que vous avez des Funko Pop exclusifs? Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous les protégez? Ah ouais, je crois que c'est bon, ça prend la forme en fait quand vous la mettez dedans. Par contre, on voit pas. Voilà. Hop. Voilà. Ah, ça fait bien protéger. Ah, j'adore. Bah au moins, si elle tombe, elle va pas trop s'abîmer parce que moi, je fais souvent tomber, mais je suis très maladroit, donc il faut que je fasse attention. Et celles-ci, elles ont beaucoup plus de valeur que les figurines bah, non exclusives, justement. Alors attendez, je vais fermer ça hors champ. C'est bien si vous les protégez aussi. Coucou Strange Player. Cédric, tu les collectionnes pas. Merci Mélanie. J'espère que tu vas bien. Salut Creepix. Alors, les dédicaces et les publicités de vos chaînes, je les fais en fin de vidéo comme d'habitude. Parce que là, je ne peux pas tout regarder vos commentaires. Donc là, j'en rate pas mal, je pense, parce que je suis en train de faire la boîte. Et j'ai déjà du mal. Ah, c'est bon, j'ai pu la fermer, la sceller. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après, j'en ai acheté 20 pour moins de 20 €, 17 €. C'est vraiment les premiers prix. Donc la qualité, moi, je vais dire, c'est pas top, top. Regardez. Après, il faut que ça prenne la forme. Voilà. Bon, on va la mettre ici. Donc c'était en 20e position. Alors la prochaine en 19e position, c'est encore une FNAF. Désolé hein, pour les gens qui n'aiment pas FNAF. Hop, voilà. Et c'est le Balloon Boy. Voilà, donc mettez une note sur 20 pour celle-ci. Donc moi, comme c'est pas du tout un de mes personnages préférés dans FNAF, c'est pour ça qu'il est en 19e position. 20 sur 20, Wendy, 11 sur 20, 3 sur 20. Ah, il y en a qui sont stricts avec FNAF. Hein. Mais après, je trouve qu'il n'est pas super réussi, un Balloon Boy en Funko Pop. C'est pas le meilleur. C'est vraiment pas le meilleur. Bon, après, moi, je l'aime quand même. Mais... 20 sur 20. Ah, il y en a qui l'aiment bien. Bon, en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un film de protection sur chaque film protecteur. Non, enfin, sur chaque boîte de protection. Donc, c'est déjà bien, hein, franchement. Ouais, je recommande quand même ces films parce qu'ils sont moins chers que les autres. Et moi, j'en ai vu, ils étaient genre à 6 €, 7 € juste un seul. Donc, on voit là qu'il y a les 20, pas trop trop cher, ça va encore. Coucou Strange Player, oui ça va bien. Et toi, tu vas bien? Bon alors, hop, la boîte, elle est toute de travers. Là. Aïe aïe aïe. Oula, et regardez, je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais elle est toute de travers là. Mais c'est normal, faut qu'elle prenne la forme, je pense, comme elle était toute pliée. On va essayer. Alors elles sont pas chères, si je me rappelle du prix, je crois que c'était 17,99 € les 20. Sachant qu'ils les vendent cher l'unité normalement, je pense les officiels.
Et là, je vais mettre ça en arrière-plan. Si vous voulez voir le vendeur, c'est celui-là. Je vais mettre ça en arrière-plan. Alors, une vidéo où on me voit. Alors, c'est vrai que je me mets jamais en. C'est rare que je me mette face à la caméra. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des gros plans sur les objets que je présente. C'est beaucoup plus pratique. Tandis que si je fais de loin, ben, on ne voit pas les détails des figurines et des produits. C'est vraiment pas intéressant. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est la figurine, c'est pas moi. Hein. Après, pour ceux qui veulent me voir sur la chaîne vlog, on voit toujours ma tronche. Ah, le code marche. Bah, c'est super si ça marche. Si ça peut vous rendre service. Cool. Merci Jade, c'est super gentil. Et je reconnais des personnes qui sont là depuis des années en plus sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. La Pop Olaf qui tient. Je l'ai commandé cette figurine de la Pop Olaf qui tient les deux chats. Je l'ai commandé la semaine dernière, mais je ne l'ai pas encore reçue. Voilà, c'est protégé. Tac, tac. Après, il y a toujours la forme. Vous voyez là, ça prend pas bien la forme et c'est normal. Allez, on la met ici. Alors, c'est en maintenant 18e position. Hop là. Je suis désolé, c'est encore une FNAF. À chaque fois, je vais dire désolé. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du FNAF. Il n'y aura pas que ça. Merci Marie, c'est super sympa. Comment va Miss Nuts et Mickey? Alors, Miss Nuts travaille beaucoup et il fait trop chaud pour elle. Et Mickey, c'est un peu la même chose. Oui, c'est bombé au-dessus de la boîte. Donc voilà la 18e position, c'est le Dark Spring Trap. Je l'adore. Hein. Mais il est en 18e, parce qu'il y en a d'autres que je préfère. Madonna, Tony, Tony, oui, je vais bien. Alors, 15 sur 20, 0 sur 20. Oh là là, c'est strict. Après, il y a beaucoup de reflets, en effet. Alors, c'est soit 20, soit 0 sur 20, j'ai l'impression. 0, 15. Et B. 10. Ouais, Hercule avec son Pégase, il est trop beau. Il fait partie. Bah, j'avais dit dans la vidéo, c'était mon préféré. Toujours mon préféré de toutes mes Funko Pop. Mais je ne l'ai pas mis dedans, puisqu'en fait, je fais cette taille-là dans cette vidéo. Je ne fais pas les autres, les plus grandes. Les rides, je les fais pas. Alors après, vous pouvez mettre en commentaire quel est le genre de Funko Pop vous préférez, genre Disney, série, film, jeux vidéo. Mettez-moi un petit peu. Alors si ça bug, c'est normal. C'est la chaleur, il fait tellement chaud que mon téléphone surchauffe. Et la batterie diminue très très vite. Alors j'espère que ça va tenir longtemps en fait la vidéo. Ce serait un peu dommage. Ouais, Disney. Ah oui, il y aura du Disney, vous inquiétez pas. Là, il y en a 20 à présenter, donc les Disney seront plus dans les 10 premières. Parce que j'ai une préférence pour Disney quand même. Ah oui, Annabelle. Alors Annabelle, par contre, j'ai pas trop aimé le film. Ah si, j'ai bien aimé le deuxième film d'Annabelle, mais je suis pas fan du personnage en fait. C'est flou. Alors attendez, je fais une mise au point. Si... Non, normalement c'est pas. Bah moi c'est pas flou, mais c'est peut-être la connexion qui est mauvaise. Donc ça doit venir de la connexion. Est-ce qu'il n'y a que FNAF et Disney qui, je crois que... Ouais, non, il n'y a pas que ça. Il y a quatre figurines qui ne sont pas Disney ni FNAF. My Little Pony, je les ai depuis très très longtemps, mais je me suis un peu lassé en fait. Mais je les adorais, ça c'est sûr. Alors, j'essaie de la fermer, celle-ci. Voilà, c'est fait. Voilà, bien protégé, prendra pas la poussière celui-là, et s'il tombe, bah, ça ne s'abîmera pas. Allez, on va passer à la 17e position. Attendez que j'aille la chercher, elle est un peu plus loin, ma figurine. Et il ne s'agit pas d'une FNAF, mais il s'agit aussi d'un jeu vidéo d'horreur. Donc de la série Bendy. Et c'est Boris, The Wolf, le loup. Voilà, donc mettez une note pour celui-là. Est-ce que vous le préférez au FNAF, par exemple? Ah bah bye bye Rita, bientôt et merci d'être venu pendant les deux lives, c'est très sympa de ta part. 19 sur 20, c'est sur 0, 5,
20, 20, 20. Waouh, il y a des belles notes. Il y a des belles notes pour celui-là. Donc lui, c'était une exclu topic que j'avais présenté. Bah, c'était lors de la dernière vidéo Funko Pop. Et je vais mettre ça en arrière-plan. Et je vais boire un peu parce que j'ai trop soif. Y en a beaucoup qui l'aiment, tiens, Boris. Et est-ce que vous avez joué au jeu pour ceux qui l'aiment bien? Ou c'est juste comme ça, vous le trouvez sympa? Alors oui, le petit gobelet, je l'ai eu à Primark. J'avais fait une vidéo, mais c'est pas sur cette chaîne-là, c'est sur la chaîne vlog où je fais mes vidéos Primark en fait. Ouais, le jeu est génial, mais moi j'ai vraiment pas de chance par rapport à mon ordinateur qui date de tant d'années. Et en fait, ça rame, ça lag et je peux même pas faire de vidéo. C'est dommage. Ouh là là. Faut pas que j'abîme la boîte. En fait, le bas de la boîte, c'est pas facile à faire à chaque fois. Coucou Neverland. Tu es malade depuis un mois? Oh là là, bah bon établissement. Ça bug grave. Alors par contre, le bug, je pense que ça vient vraiment de la chaleur. Ouais, parce que le téléphone, il se refroidit pas. Hier, j'ai vérifié et ça faisait ça déjà. Malheureusement, marche mieux mes lives. Il ressemble à Donald. Moi, j'aurais dit à Dingo. Parce que, ouais, il ressemble plus à Dingo, je trouve. Coucou Sissou. Coucou Logan. On est 45, bah dis donc. Coucou Charles Privé. Hop. Voilà. Hop, je l'ai mis dedans. En fait, ça bug chez certaines personnes, mais pas chez tout le monde. Oui, il fait vraiment penser à Dingo. Après, c'est un petit peu, ils se sont inspirés, je pense, quand même. C'est un peu l'univers des cartoons des années 40. Ouais, au début, ouais. Même les Tex Avery, c'est un petit mélange entre Disney et Tex Avery. Oswald, ouais, c'est vrai qu'il fait penser à Oswald. Hop. Voilà, donc c'est toujours bombé, hein, comme vous pouvez le voir, ici, ici. Après, vu le prix, c'est normal, hein, moi, je pense. Alors, on arrive en 16e position. Alors, 16e. Hop. Donc, en 16e position, c'est une FNAF, désolé. Désolé. Et c'est le Jumpscare Funtime Foxy. Alors, je ne sais pas si vous allez l'aimer. Hein. Les gens qui n'aiment pas FNAF vont le détester, celui-là. Merci, Nina. Vingt sur vingt. 0, 18. 10, 0, 20. Ça, c'est très varié, les notes. Hein. Mais il y a beaucoup de 20 sur 20, quand même. Alors lui c'était quoi comme exclu? Le Summer Convention. Ah, je sais pas si c'est Comic Con. Ah non, ça doit pas être Comic Con. Je sais pas. Bah vous, les connaisseurs de Funko Pop, est-ce que c'est Comic Con ou pas? Cette convention. C'est bizarre qu'on voit rien. Parce que le téléphone, il doit être brûlant. Ouais, il est brûlant le téléphone. Ouais, les FNAF sont super détaillés en Funko Pop et même en Mystery Mini. Bah, la vidéo que je vous ai mise aujourd'hui, on voit vraiment qu'ils sont détaillés. Oh, bah Rita, c'est gentil. Est-ce que c'est flou pour tout le monde? Ou est-ce que c'est par rapport aux connexions? Ça, j'aimerais savoir. Non, je connais pas Pretty. Ah, si, je connais Pretty Little Liar, c'est une série ça. Et je l'ai vu en plus. Je dis que je connais pas, mais je me rappelais pas du nom. Alors, il y en a qui disent que c'est flou. Il y en a même plein. C'est un peu flou. Oui, c'est flou. Et ça. Ah, c'est embêtant. Franchement, je sais pas comment je ferai pour mes prochains lives. Parce que j'ai que l'iPhone en fait pour faire les lives. Sachant que mon ordinateur, laissait tomber. Hein. Il rame et la connexion est très mauvaise. Bah, il y en a que c'est pas trop flou. Je peux pas faire avec mon ordi, il est trop vieux et le Wi-Fi est très mauvais, donc ce serait encore pire. J'ai déjà fait avec mon ordinateur. Alors, où j'achète mes Funko Pop, on va dire, c'est surtout Amazon. Surtout Amazon. Ensuite, dans les boutiques, bah, ça va être Toys R Us, Micromania. Ça va être quoi d'autre? Le Grand Cercle aussi, il y en a vraiment pas mal des exclusives. Donc, encore hot topic, celle-ci. Waouh!
Donc la vidéo s'était arrêtée, vous savez pourquoi? Parce que surchauffe de l'appareil. Voilà, il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus rien. Il faisait plus de 35 degrés sur l'appareil du coup. Voilà, donc j'ai éteint tous les spots lumineux, je l'ai mis près du frigo, je l'ai pas mis dans le frigo pour qu'il se refroidisse mon téléphone. Du coup, on va essayer de reprendre. Alors du coup, la vidéo, elle a dû bugger grave, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais mon appareil, voilà, mon téléphone, il s'est carrément arrêté, quoi. Voilà. Donc on va retourner. Donc on était à la 15e position, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Recoucou tout le monde, ou coucou pour les gens qui arrivent. On était à la 15e position et aujourd'hui c'est une vidéo Funko Pop où je vous présente mes vins préférés en exclusif. Ouais, ça recommence. Alors vous me dites quand ça commence à bugger, que j'arrête. Ça veut dire que l'iPhone va encore surchauffer. Je l'ai même débranché du courant parce que ça chauffe. Et j'ai même retiré ma coque de protection. J'ai vraiment fait le strict maximum pour que ça se refroidisse. Donc je disais que c'était Alice Angel de la série Bendy, donc en 15e position. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Recoucou Team Ezarel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai dû éteindre les lumières. J'ai dû tout éteindre parce qu'il fait trop chaud. Et en fait, je pense que je ne ferai plus de live quand il fait chaud. Il faut faire quand il fait 18-20 degrés parce qu'au-dessus de 20 degrés, j'ai l'impression que ça chauffe trop vite mon iPhone. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous faites des lives sur votre chaîne YouTube avec un iPhone. Ça surchauffe rapidement. De toute façon, même quand je filme en 4K, ça, c'est un vrai cauchemar en fait. C'est dommage. Coucou Fabrice! Alors, hop, donc là, si vous êtes nouveau sur le live, je suis en train de faire les boîtes de protection. Et vous pouvez les trouver sur Amazon avec 5% de réduction avec le code ici. Alors, je sais pas si vous voyez. Coucou Fox Gaming. Recoucou! Ouais, le réseau a vraiment des problèmes. Mais il n'y a pas que le réseau, c'est aussi la chaleur. Moi, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Hop, voilà, les protégés. Alors, ça coûte 10, 18 euros, il me semble, les 20 films protecteurs. Recoucou. Et vous me dites hein, quand ça commence à bugger. Je vais toucher le téléphone. Ah, il surchauffe déjà, c'est un vrai cauchemar. Il me faudra un ventilateur, mais j'en ai même pas. C'est fou, il fait trop chaud en fait. Hop, jamais là. J'espère arriver à la fin de la vidéo, je vais aller plus vite du coup. Alors en 14e position, c'est Nightmare Cupcake. Voilà, encore du FNAF, désolé. Ah, en plus, mon Tamagotchi, il a fait caca. Donc mettez une petite note. Recoucou. Alors je sais même pas si on est sur le même live, si sur la même vidéo, si ça crée une nouvelle vidéo, je sais pas. Hein. Ça m'a mis directement là quand j'ai rallumé. Hop là. 20 sur 20. Ouais, 14. C'est bien, il a la moyenne pour l'instant. 17. Coucou Marie. 20 sur 20. Bébé. Et que des bonnes notes pour celui-ci. 20, 15. Merci d'être revenu. 16. Ah, c'est cool que tu l'as aussi, cette pop. Tu peux pas voir la vidéo, c'est-à-dire que ça surchauffe encore. Et il est déjà bouillon, il était froid, mon téléphone. Mais c'est un vrai cauchemar. Hein. Pourtant, je l'ai débranché, tout ça. J'ai peur que ça rebug. J'aurais jamais pu. Je vais pas pouvoir finir mon live. Trop, trop déçu. Je suis vraiment déçu. Ça veut dire que je peux plus vous faire de live. Je suis trop triste. C'est-à-dire que je vais devoir faire des vidéos normales. Et je voulais vraiment, vraiment vous présenter mes vins, vraiment mes vins préférés. C'est dommage. Ouais, si vous voyez plus rien, c'est que mon téléphone surchauffe et que ça commence à galérer. Ouais, il y a moins de personnes, donc j'ai l'impression que c'est ça aussi. J'ai, ouais, un ventilo, mais même le ventilo, ça refroidit pas l'air. Hein. Ça fait juste brasser de l'air. Il me faudrait une clim, mais ça coûte bonbon. Alors, je sais même plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en 13e position, c'est ça? Apple. Alors, en 13e position, n'ayez pas peur. Si vous avez peur des clous, ne regardez pas. C'est Pennywise, l'exclusif, avec le vent dans les cheveux. C'est Weevwig.
Avec la perruque. Ça bug pas. Ah bah c'est bon signe. J'espère que ça va pas bugger. Coucou Jade. Alors mettez une note. Alors les gens qui n'aiment pas les clowns vont le mettre un 0, hein, c'est sûr. Ah, il y en a qui l'adorent quand même. Oui, il fait peur. Bah oui, c'est sûr qu'il fait peur. Alors, meet-up, c'est pas prévu. J'ai jamais eu de proposition d'endroit ni rien. Donc, je pense pas en faire. 10 sur 20. Au pire. Ah ouais, plusieurs en même temps. Mais en fait, comme je les emballe, ouais, c'est vrai que je pourrais en mettre. Ouais. 18. Alors, attendez, je vais mettre un peu mieux. J'aimerais bien arriver à la moitié, là. Hop, je le mets dedans. Oui, il est vraiment stylé. Après, c'est vrai qu'il fait vachement peur. Et j'ai vu qu'il y en aurait des nouvelles encore cette année de Pennywise. Ah. Bah, ça dépend des gens. Il y en a qui ont la phobie des clowns, c'est vrai. Moi, j'ai pas peur des clowns. Hop, 20 sur 20. Hop, voilà. Alors, on arrive à la 12e position, si je me trompe pas. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc la 12e. Ah, bah, elle est un peu plus loin. Attendez, j'aille la chercher. Ah, waouh, waouh. C'est encore une FNAF, mais il y en aura de moins en moins, là, des FNAF, vous allez voir. C'est Jacoboni. Et celui-là, il brille dans le noir. Il est vraiment trop, trop classe. Enfin, c'est mon avis personnel. sur 20. J'ai l'impression que Logan aime beaucoup FNAF. Jade, 10 sur 20. Jade, toi, tu dois pas trop aimer FNAF. Enfin, je sais pas. Je dis ça comme ça. 18, 15. Ouais, et bah, il a des bonnes notes, celui-là. C'est dommage qu'on voit pas bien. Il n'y a pas assez de lumière, du coup, maintenant. Ça remarche. Cool. En espérant que ça reste comme ça jusqu'au bout. Je touche au téléphone. Il est bouillon. Oh là là. Non, Nendoro in Mulan, il n'y en a pas pour l'instant. C'est pas encore. Je sais même pas s'il y aura. Mais il y aura peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas annoncé. Voilà. Moi, bon, en tout cas, ces films de protection sont vraiment bien. Je vous les conseille. Il n'y a pas de rayures ni rien. Alors, hop. Et du coup, hop, voilà, c'est fait. Bah, du coup, il est hors champ. Faudrait que je recule la caméra. Hop, attendez. Voilà. Alors, on en est à combien? C'est 11e position, si je dis pas de bêtises, ou 10e. Je sais plus là. Oh là là. Alors, attendez. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11e position. Aïe, aïe, aïe. Aïe. C'est une FNAF. Pour changer, Jumpscare Baby. Voilà. Donc les jumpscares, hein, elles font peur. J'ai les versions normales, mais c'est pas des exclusifs. Donc c'est pour ça que je les mets pas dans la vidéo. Et je les préfère largement les versions normales que les jumpscares, hein, par contre. Ouais. 20 sur 20. Trop cute, 15 sur 20. 5 sur 20 pour Jade. Alors, pour vous dire, des FNAF, il en reste encore 3. Il en reste encore 3. Ouais. Après, il y aura du Disney. 17, 20. Ouais, il y a des bonnes notes quand même. C'est amusant de faire un vote en fait pour vos préférés aussi. Bah en fin de vidéo, tiens, vous allez mettre votre préféré en fin de vidéo quand il y aura toutes de présenter. Mais on verra si ça correspond. Vite du Disney, oui, il y a des gens, ils sont impatients. Vous inquiétez pas, il y en aura. Je suis désolé parce que les FNAF, il y a beaucoup d'exclus, c'est pour ça en fait. Et les Disney, j'en ai autant que les FNAF, mais j'ai moins d'exclus. Est-ce que ça va rentrer dans le cadre? Oh là là, ça rentre plus dans le cadre. Donc, du coup, on est à la moitié, là, je pense. Ouais, on est à la moitié. Je recule encore. Oh, vous voyez pas tout bas. Je ferai à la fin. C'est pas grave.
Alors, on arrive donc en dixième position. Et c'est Bendy. C'est pas encore Disney, parce que Disney, c'est dans les vraiment dans les premiers. Bendy. Coucou Sarah. 2 sur 20 pour Bendy. Oh, sacrilège. Sacrilège. Bye Madonna. 5 pour... Jade, t'aimes pas non plus Bendy? Oh là là. Ah, je suis triste. Ah, il y en a qui aiment quand même. Ah, j'ai eu peur. Coucou, une fille un monde. Combien j'ai de pop? Il faudrait que je fasse une vidéo, mais je pense environ 160. Je crois que je l'avais dit hier en plus. Il me semble. Il me semble 160 environ. 20, 4 sur 20. Bah, soit vous aimez pas, ça c'est sûr. Allez, 15. Coucou, Miss Mophie. Hashtag Disney, ne vous inquiétez pas, il y aura du Disney. Coucou, Émilie. Alors, hop, je la file. 20 sur 20, 16 sur 20. Bah, c'est bien, il y a quand même des bonnes notes. Ah oui, il y a des bonnes notes. Bon, c'est la dernière Bendy, de toute façon. Moi, j'en ai pas d'autres. Allez, vous êtes prêts pour la suite? Par contre, la caméra. Oh, ça tient pas très bien. Ouais. Alors, le défaut des boîtes, c'est bondé. Du coup, ça tient pas trop droit, en fait. Je sais... Oh là là. Alors, je vais bien mieux mettre pour que vous voyez. Vous voyez? Voilà. Limite, c'est pas stable du tout. Et moi, en plus, je les mets tous l'une sur l'autre, ça va être chiant et galère. Alors, les pubs et les dédicaces, je les fais à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, on continue avec donc la 9e position, si je ne me trompe pas. Alors, attendez que j'aille chercher ma Funko Pop. Ah, elle était loin. Hop. Et c'est Joy ou Joie de Vice Versa. 2015 exclu. Elle date celle-ci en fait, elle est toute pailletée. Je l'avais présentée sur ma vidéo il y a bah, en 2015, ça fait un moment déjà. Ouais, bof, 11 sur 20. Ah, il y en a qui mettent des 2 millions, c'est bien, ça rattrape la moyenne. Il y a des courants d'air, j'ai ouvert toutes les fenêtres, il y a des courants d'air. Elle s'est fermée la fenêtre, c'est pas mon signe. Attendez, je reviens parce que si la fenêtre se ferme, il va refaire chaud. En tout cas, hier il faisait plus chaud et ça avait pas bugué comme ça. Alors les autres, je les remontre à la fin de la vidéo, je vous les montre tous en détail. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez en cours de route. Alors la boîte est abîmée. Ouais, elle est vachement abîmée parce qu'elle vient de loin en fait. C'était une youtubeuse, on avait fait un swap, une youtubeuse américaine, Ashley, je ne sais pas si vous connaissez, qui a une chaîne de review. Et on a fait le swap. Et bon, elle a été abîmée. Mais bon, elle venait de très loin. Je crois que c'est du Texas qu'elle vient. Alors Vice Versa, c'est la seule que j'ai. Malheureusement, j'aimerais bien voir les autres, mais je les trouve plus trop à un prix abordable. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop, on continue. On continue avec Picsou. Donc encore une exclue. 2017. Quel est mon YouTube? C'est la question vraiment difficile. En fait, j'en ai beaucoup. Après, chez les chaînes, je regarde pas beaucoup. C'est Graviad Girl. Je sais pas si vous connaissez Graviad Girl. Oh non, ça rebug. Non. Ah oui, les bouillons, le téléphone. Comment je vais faire? Je vais faire du vent. Alors, est-ce que j'arrête la vidéo et que je remets dans le frigo? Moi, ça bug pas. Ah, il y en a plein que ça bug quand même, c'est-à-dire que ça va se... Et les bouillants, oh non, punaise. C'est vraiment très très chiant, c'est vraiment très très chiant. Est-ce que j'arrête le live? Est-ce que je recommence dans une heure? Je fais la suite, dites-moi en commentaire, parce que si ça bug là, c'est vraiment embêtant. Est-ce que vous m'entendez?
J'ai pas de ventilateur, j'ai pas de climatiseur, j'ai rien du tout. Il fait juste chaud en fait, et mon iPhone est plus chaud que la pièce, il doit faire 40 degrés. Oh, qu'est-ce que ça brûle? Ouais, ça brûle trop. J'ai peur qu'il meure mon téléphone, et j'aurai plus rien pour filmer après. Comment vais-je faire? Ah, c'est embêtant. Bon, je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo parce que je préfère que ça soit net ou je fais une pause et je reviens encore dans 5-10 minutes. Je remets dans le frigo. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. Alors, est-ce que ça remarche? Dites-moi si vous êtes toujours là. Je crois qu'il n'y a plus personne. C'est normal. Et je sais même plus où j'en suis du coup. J'en suis à la 8e position, il me semble. Ouais, c'est la 8e position. Est-ce que ça, c'est toujours flou? Dites-le-moi en commentaire. Mon téléphone a un petit peu refroidi, mais ça vient bien de mon téléphone qui surchauffe, tout simplement. Re-re, Eve. Donc on va être moins nombreux, je pense, parce qu'à force que ça déconnecte, hein, ça doit embêter tout le monde. Donc on était à la 8e position avec Picsou. Donc voilà, je vous le remontre. Le petit Picsou. Recoucou. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai emballé toutes les pops hein, pendant ce temps, pendant que ça refroidissait le téléphone. J'en ai profité, comme ça fait perdre moins de temps. On arrive à la 7e position. Alors d'après vous, c'est quoi? C'est du Disney, du FNAF? Recoucou Jade. Allez, je vous montre, je perds pas de temps. C'est Mystique de la bande à Picsou aussi. Celle-ci, avec son petit corbeau. Alors je vais mieux mettre mon téléphone. Voilà, là on voit mieux. Hop. Donc là on arrive bientôt dans les 5 premiers. Bientôt, bientôt. Hop, et n'oubliez pas de mettre des notes aussi. Ça m'intéresserait de savoir. Alors, on arrive à la 6e position, il me semble. Ouais. Donc, désolé, c'est une FNAF. C'est LOLbit. Voilà, je l'adore, celui-là. Alors, des vidéos Monstera, je ferai peut-être des histoires, mais pas des reviews, puisqu'il n'y a plus rien qui sort, malheureusement. C'est un peu dommage hein, pour Monstera, je suis un peu déçu. Recoucou, Fox Gaming. 20 sur 20. Ouais, bah moi aussi, je lui mets 20 sur 20. Il est trop trop cool celui-là. Hop, je vais un peu plus vite, désolé, parce que j'aimerais terminer la vidéo avant qu'elle surchauffe pour la troisième fois. Alors, on arrive en cinquième position avec Maléfique. Exclusive. Je l'adore. Donc, je les ai toutes protégées hors caméra. 20 sur 20. 18. Hop. On arrive à la 4e position. Donc là, c'est vraiment mon top, bah, les préférés. Et c'est une Disney. Et c'est Peter Pan. Alors je l'adore celui-là, il est vraiment trop trop beau. Je vous l'ai présenté la dernière fois, mais il est trop cool. Les créations d'AM, je vois tes messages, oui, j'avais à te dire. Hop, et on va arriver à la 3e position. Alors attention, top 3. Top 3. Recoucou Logan. Bah, c'est plutôt moi, désolé pour mon absence, parce que c'est moi qui déconnecte à chaque fois avec mon téléphone qui surchauffe. Allez, troisième position, c'est Bonne Bonne. Je l'adore. Celui-là, c'est vraiment bah, une de mes Funko Pop préférées. Quand je l'avais vu en preview, voilà, j'ai vraiment craqué. J'adore Bonne Bonne. Ah, il y en a qui l'aiment pas quand même, mon bonne bonne.
Ah, pourtant, il est trop beau. Allez, on arrive à la deuxième position. Alors là, lui, c'est mon chouchou. Plein de personnes avaient pensé que c'était lui en numéro 1. Eh ben non, il est en numéro 2. C'est Toy Freddy, Walmart. Désolé, c'est pas lui qui a gagné la place de numéro 1. Donc maintenant, essayez de deviner qui est en numéro 1. Attention. Bon, il a une bonne note. Il est beau, Freddy, même si vous aimez pas le jeu, il est mignon celui-là. Alors, on me dit Belle en numéro 1. Hop. Alors déjà, devinez l'univers, si c'est Disney ou pas. Est-ce que vous pariez sur Disney ou est-ce que vous pariez sur FNAF? Est-ce que ça surchauffe? Oh, ça commence à surchauffer, donc je vais peut-être abréger. Disney. Donc bravo pour les personnes qui ont dit Disney. C'est une figurine Funko Pop Disney exclusive et floquée en plus. Attention, alors je vais montrer une petite partie, vous allez essayer de deviner qui c'est. Hop, juste ça. Est-ce que vous devinez qui c'est? J'en ai montré beaucoup. Vous êtes obligé de trouver. Bravo! Eh oui, c'est Marie Floquet. C'est ma préférée de toutes mes Funko Pop exclusives. Voilà. Donc on va faire un petit récap et vous allez mettre en commentaire votre préférée de celle que je vous ai montrée aujourd'hui. Alors attendez que je décroche mon téléphone, je vais essayer de rien casser. Hop, voilà. Donc voilà, donc la première position c'est là, hein. C'est pas du tout logique, ça fait comme ça, tac tac, et comme ça, c'est à l'envers en fait. Ah, c'est cool que ça soit ta préférée aussi. Donc n'hésitez pas pour la publicité de vos chaînes. Je peux faire de la publicité maintenant, c'est parti! Ah, il y en a, c'est Joie, Maléfique et Picsou. Ok, Picsou et Marie. Maléfique. Marie, il y a beaucoup qui aiment Marie. Hein. Dédicace à Elisa. Donc n'hésitez pas à mettre votre chaîne, hein, que je vous fasse de la pub si vous faites des vidéos, hein, par contre. Et vous mettez en commentaire sur quoi est votre chaîne pour préciser. Je déteste la pop, ça. Bah oui, c'est vrai que t'aimes pas les clowns, donc tu vas jamais l'aimer, c'est sûr. Dédicace à Fox Gaming. Je pense que le téléphone, il va surchauffer. Le petit jaune. Ma pop préférée, c'est Hercule avec son Pégase, mais je l'ai pas inclus dans cette vidéo. Le téléphone, il surchauffe, donc j'ai peur que ça soit flou bientôt. Mais je pense que je ferai plus de live avant l'hiver. Je suis désolé. Ou quand il fait très froid. Dédicace à Jade Capronier. Donc c'est ça que vous aimez le moins, j'ai l'impression. Donc les créations d'AM, ça sera une chaîne sur le dessin, sur sa passion. Donc voilà. Dédicace à Willou67. Dédicace à Tim et Zarel, oui, pardon. Bah ça, c'est un monstre, c'est pour ça qu'il est pas. Il est chelou, c'est vrai. Donc voilà, je les ai toutes protégées. Je suis vraiment content. Comme ça prend pas la poussière. Donc mettez en commentaire votre préféré et surtout mettez en commentaire votre préféré à vous, hein, aussi dans votre collection. Ça m'intéresserait de savoir. Parce que les miennes, hein, c'est par rapport à ce que j'aime, donc c'est pas forcément celle que vous aimez le plus. Voilà. Et donc je peux vous montrer un petit aperçu de ma collection complète. Alors par contre, alors attendez, ça va être difficile. Oh là là. Hop. Alors regardez, j'ai fait des petits vides. Pour vous présenter les exclusives. Et en fait, quand j'en retire une en bas, tout dégringole. Hein? J'ai pas d'étagère et c'est un peu dangereux en fait. Voilà. Hop, donc je vais arrêter la vidéo. Elle dure 45 minutes avec des petites pauses surchauffe.
Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner la vidéo au final, si ça va couper, si on va faire quelque chose YouTube, ou si ça va pas être diffusé au final à cause des coupures, je sais pas du tout. Donc je suis désolé hein, pour les coupures, mais c'est à cause de mon iPhone. Hein. Et si vous faites des lives, évitez l'iPhone 7 que j'ai, parce qu'il surchauffe. C'est un vrai cauchemar. Ou faites-le dans une chambre froide ou un endroit glacial. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Demain, il y aura une vidéo Shopkins et après-demain, un Dragon Ball. Et je pense que Disney Emoji, ce sera mercredi. Donc, soyez attentifs. Il y aura sûrement un concours avec les doubles. Voilà. J'annoncerai aussi les résultats. S'il y a les 600 likes, je ferai les résultats la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous, bisous. Salut!